Et puis, réagissant à ce rapport, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que ces fonds alloués ne sont pas déversés dans une quelconque caisse de l'État, mais que tous ces fonds sont repartis dans divers secteurs sous contrôle de l'Union européenne. Il a fait savoir également que s'il y a à se plaindre, cela incomberait de cette institution. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. La réalité est que les accusations proférées contre les autorités congolaises au sujet de la prétendue mauvaise utilisation des fonds de l'aide européenne à la RDC par les autorités congolaises ne repose sur aucun fondement crédible. Nous allons voir maintenant ce qui concerne les budgets qui sont affectés à la présidence de la République et au service du Premier ministre, qui ne sont pas des budgets affectés à Monsieur le Président in tuitu personae ou à Monsieur le Premier ministre in tuitu personae, pour la simple raison que la présidence de la République, dans nos dispensations budgétaires, renferme toutes les dépenses de l'institution président de la République, mais aussi celles de tous les services attachés au président. Ceci pour dire qu'il est mieux parfois d'être informé avant de se livrer à des déclarations tonitruantes sur la gestion d'un pays qu'on ne connaît pas.